Mesdames et messieurs, c'est une grande première en vous souhaitant le bonsoir, puisque vous le savez, à partir de maintenant et jusqu'à on ne sait pas quand, en tout cas jusqu'à plus tard, nous nous voyons tous les soirs aux alentours de un peu avant 19h pour aller un peu après 19h. C'est mot de passe du lundi au vendredi. Voilà, sur l'antenne de France 2, j'espère que vous allez bien. Et permettez-moi, puisque vous connaissez bien ce jeu, de vous présenter tout de suite nos deux premiers candidats, qui seront d'ailleurs les deux seuls, car on fait des parties de 23-24 minutes. Donc bravo Sandrine et bravo Johan. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Bonne année 2013. Et jouez avec nous, profitez-en le soir. Alors, vous connaissez bien la règle, un mot de passe, c'est simple. Il s'agit tout simplement de faire deviner un mot avec un autre mot. Enfin, c'est simple. C'était simple. Jusqu'à ce soir. Mais j'aime faire peur un peu de temps en temps. Parce que ce soir, vous êtes là, Sandrine. Ce soir, vous êtes là, Johan. Oui. L'un des deux va pouvoir partir dans moins de 22 minutes maintenant avec la somme de 20 000 euros. 20 000 euros, on met 100 000 en jeu par semaine, 5 jours. Vous êtes les deux premiers candidats de cette nouvelle année. Faire mot de passe tout seul, ça le fait pas. Il faut des partenaires, évidemment. J'appelle Christelle Cholet et Cyril Ferraud. Bonjour. Salut Patrick, bonne année. Bonne année à vous deux. Merci d'être avec nous, Christelle et Cyril. Christelle qui dit bonjour à Sandrine, à Johan. C'est parti donc, il y a des épreuves de qualification avant d'arriver évidemment à la finale. Alors ce que vous ne pouvez pas faire, vous Sandrine qui habitez dans le 17e arrondissement de Paris, vous allez nous le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour faire deviner le mot? Alors on ne peut pas prononcer de mots composés. Non. On ne peut pas utiliser de mots de la même famille. Surtout pas, attention. Pas de mots commençant par le même son. Et pas de mime. Sinon, on entend, ça veut dire que le mot est bipé et il compte pour zéro point. On commence par Johan, vous êtes un couvreur. Charpentier couvreur, oui. Ah bah tiens, j'ai un problème de toit à la maison. Eh ben, on se voit après l'émission et il n'y a pas de souci. C'est parti pour la première manche de qualification. 5 mots à faire deviner, c'est Christelle qui s'y colle. Wagon. Train. Tête. Lit. Je passe. Fruit. Orange. Vin. Raisin. Tuer. Fusiller. Substantif. Tuant. Passe. Britney. Spears. Gifler. Claquer. Argot. Passe. 2 points. Le premier. C'était quoi? Baffé. Baffé. Ah oui, c'était bien amené. Oui, c'était pas mal joué. Alors 2 points pour l'instant sur 5. Attendez, on n'est qu'au début. Hein. Donc ça peut être pire. Et ça peut être mieux, évidemment. C'est à Cyril de faire jouer notre amie Sandrine. C'est parti. Tristesse. Gaieté. Presque. Joyeux. Court. Joie. Ouais. Bouquin. Livre. Ouais. On passe. Infirmière. Médecin. Habit. Blouse. Ouais. Impératrice. Reine. Autrichienne. Sissi. Ouais. Posée. Maître. Ouais. Parfait. Super bien joué, bien mené. Joie, livre, maître, blues, si, si, ça fait 5 points, 5 sur 5, ça c'est pas mal du tout. Johan, vous imitez Donald, paraît-il. C'est super dur à faire. Et avec les oreilles, vous faites quoi? Je peux rentrer mon oreille à l'intérieur. Vous pouvez... Ah! Non, non, commencez pas. Ah! Johan. Oui. À vous de jouer, vous faites deviner à Christelle. Merle. Oiseau.
Grossesse. Enfant. Non. Longueur. Moi. Passe. Kevin. Costner. Monter. Descendre. Ski. Glisse. Activité. Pas mal joué. Pas mal joué. Alpin. Ah oui, alpin. Et largesse. Quoi? Largesse. Largesse, ah oui. Oui, alors évidemment, activité alpin. Oui, oui, ça commence. Alors ça fait 3 sur 5. À vous de jouer, Sandrine. C'est vous qui faites deviner à Cyril. Ferro. Poisson. Rivière. Os. Os, arrête. Je passe. Corse. Bastia. Capitale. Ajaccio. Je passe. Condor. Condor. Vautour. Allez. Éructé. Éruption. C'est craché. Craché. Et alors, pourquoi, quand vous avez vu négativisme, ça vous a fait peur? Vous avez oh, je passe. Positivisme. Oui, bon, les grands mots avec des ismes à la fin, comme ça, je me méfie toujours. Ah d'accord, oui. Ça fait 8 à 5. De façon à ce que la partie soit parfaitement équilibrée et égale, nous allons demander à Christelle d'aller jouer avec Sandrine et à Cyril de jouer avec Johan. Bravo. Vraiment super. Tu étais excellent. Non mais toi, c'était vrai. On se fondra dessus un petit peu. Faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez, vous pouvez donner des rendez-vous, oui. Des trucs. Ah mais ça on a déjà fait, t'inquiète. Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites comme métier, vous, dans la vie, Sandrine? Je suis scénariste et directrice d'écriture dans le dessin animé. Ah, c'est bien ça. Je rappelle que l'un des deux va pouvoir tenter les 20 000 euros du jour. Les 20 000 euros. Car nous mettons 100 000 euros en jeu par semaine. Alors, tu veux jouer, Cyril? Ben oui, avec Donald, ça me ferait plaisir. Alors, c'est parti donc. Voici 30 autres secondes. On y va. Cyril Ferro. Protection. Gants. Social. Mutuel. Ouais. Cheetah. Singe. Propriétaire. Tarzan. Ouais. Pays. Afghanistan. Bas. Bas. Ouais. Espagne. Non, on passe. Popeye. Épinard. Ouais. Cachalot. Baleine. Bébé. Baleineau. Ouais. Bien joué, hein. Bien joué. Il est fort, ce ferro, hein. Vraiment très bien joué. Pays-Bas. Bah c'est non, c'est Pays-Bas, c'est Hollandais. Oh, bien joué. Oui, il vous donne la réponse, il le fait deux fois. Bien. En tout cas, ça fait 4 points supplémentaires, ça fait 9. C'est Christelle qui fait jouer maintenant Sandrine. Toujours la même chose, un point par mot, 30 secondes. Ça y est, tout le monde est prêt, tout le monde joue. Hein. À la maison ici, il y a 20 000 euros à gagner par jour. C'est parti. Table. Chaise. Église. Hôtel. Sean. Connery. Je passe. 3. 2. Après. 4. Épices. Poivre. Colombo. Curry. Écrire. Noter. Feutre. Stylo. Verbe. Bien joué quand même. 4 points marqués. Ah, marqué. Bah oui. Marqué. Je pensais à feutre, marqueur. 12 marqué, points. Mais... Ah oui. Mais bon. Bien joué. C'est vous qui allez avoir la main, mon cher. Il faut marquer au moins 3 points pour essayer d'égaliser. D'accord. 4 points pour prétendre à leur finale. Les 5 points, ce serait le Nirvana. C'est parti. Allez, concentration. Main. Doigt. Claquement. Applaudissement. John. Ford. West.
C'est pas grave, ça va. Tartare. Steak. Viande. Bœuf. Poisson. On passe. On passe. Lumière. Ampoule. Passe. Clarté. Non mais le tartare. Mais attendez, applaudissements, bravo. John, c'est Wayne. John Wayne. Oui, mais j'ai dit West. Ça commence pareil. Donc c'est un interview, donc bouffe. Alors, évidemment, avec un point pour vous, c'est terminé. Mais en tout cas, on était content de vous connaître, mais comme on aussi. Dit. Et c'est vrai, c'est vrai, vous êtes très sympa. Un réel plaisir, merci. Alors, c'est vous qui allez tenter les 20 000 euros, mais on va voir avec quel partenaire vous allez aller à la finale. C'est vous qui allez maintenant faire deviner un maximum de mots. Vous avez déjà 12 points, une manche de retard, à vous de jouer. Donc, c'est 30 secondes, un point par mot. Lit. Couverture. Bébé. Matelas. Je passe. Texto. SMS. Téléphonique. Mobile. Je passe. Personnage. Mickey. Merveille. Alice. Septième. Huitième. Ça marche. C'était couche. Vous avez 14 points et vous êtes la finaliste. Alors, vous avez bien joué, hein. C'est Cyril Ferraud qui va vous accompagner en finale, car c'est lui qui vous a apporté le plus de points. On retrouvera à la fin de l'émission, évidemment, Christelle. Johan, merci pour votre venue parmi nous. On était heureux de commencer l'année avec vous. Maintenant, comme par magie, tout ça va disparaître. Car à la télévision, c'est magique. Seul, face à face, 20 000 euros en jeu. Voilà, elle s'appelle Sandrine, c'est la finaliste du jour. Elle peut gagner la somme de 20 000 euros. Elle habite à Paris dans le 17e arrondissement et comme profession, scénariste donc de dessins animés. Des noms par exemple, vous avez scénarisé quoi? La deuxième saison du Livre de la Jungle. Ah bien. Alors attention, il y a l'échelle des gains. Il faut que vous fassiez deviner à notre ami Cyril Ferraud 5 mots sur 9 et là vous gagnez 1 000 euros. J'ajouterai que vous pouvez partir à n'importe quel moment. Hein. Pour 2 500 euros, c'est 5 mots sur 8. 5 mots sur 8, ça veut dire que si vous arrivez à 2 500 euros, on ne vous les reprendra plus. Ils sont à vous, quoi qu'il arrive. Et de plus, vous pourriez utiliser une seule fois, mais le joker. 5 000 euros, c'est combien? 5 mots sur 7. 10 000 euros, c'est 5 mots sur 6. Et 20 000 euros, c'est 5 mots sur... Sur 5, ouais! Vous aurez 1 minute 30, contrairement aux épreuves de qualification. Pas plus de 3 indices pour faire deviner un mot. D'accord. Et si vous choisissez de passer le mot, contrairement aux épreuves de qualification, t'as vu comment je fais les liaisons? Mais là, en finale, tu fais peur, en fait. Oui, t'es un peu effrayant. Contrairement aux épreuves de qualification, quand vous passez un mot... Non, le mot ne revient pas. Peur. Ah là c'est plus... Trop le Livre de la Jungle. 20 000 euros, attention, 1 000 euros, on commence tout de suite. On la rigole pas. 1 minute 30, concentrez-vous, regardez-vous bien, silence, c'est parti. Sofa. Canapé. Psychanalyse. Divan. Trousseau. Clé. Pays. France. Rome. Italie. Méchanceté. Mauvais. Ah. Contraire. Gentillesse. Chocolat. Liégeois. Fèves. Galette. Arbuste. Ah, marronnier. Éteindre. Allumer. Parfait. Non, c'est très bien amené. Parfait. Très bien amené.
Vivant, clé, Italie, gentillesse, le contraire de méchanceté, allumée, bravo. Le mot que la fève. Je n'ai pas arrivé à faire deviner, c'était pas facile. Cacaoyer. Ah oui, oula. Chocolat, tout ça. Ouais. 1000 euros. 2500 euros, je suppose. On va essayer. Ah, vous pouvez partir avec 1000, hein. Non, non. 2500 euros, 5 mots, donc, sur un total de 8. C'est parti, 1 minute 30, les mêmes règles, pas plus de 3 indices. Et un mot passé ne revient plus, c'est la finale. Rongeur. Castor. Tunnel. À taupe. Bravo. Cuisinière. Piano. Grille. Four. Bravo. Monaco. Stéphanie. Princesse. Caroline. Ah. Épouse. Altesse. Non, c'est de ma faute. Senior. Aîné. Contraire. Junior. Ouais. Échiquier. Jeu. Fou. Échec. Dame. Ah, pion. Oui, bravo. Ouais. Minimal. Maximal. Ouais. C'est bien. Le contrat est rempli. Vous avez gagné 2500 euros. Vous êtes venu sans rien. Et vous partirez, quoi qu'il en soit, avec les 2500 euros. Évidemment, vous allez jouer 5000 puisque vous ne risquez rien. Bien sûr. Est-ce que vous allez utiliser le joker maintenant? Non. Sans joker. 5000 euros. Et c'est 5 mots sur 7. Chemin. Voie. Péage. Autoroute. Visage. Tête. Figure. Face. Hey. Méditation. Lévitation. Détente. Zen. Je passe. Janis. Joplin. Pain. Vous avez dit pain. Pain. Boulangerie. Beurre. Tartine. Verbe. Tartiner. Ouais. Mariage. Enterrement. Avant. Noce. Avant. Fiançailles. Bravo. Bien joué. Ça marche bien. Merci. C'est chouette. Bonne complicité. Oui. Ça y est, bonne complicité. Parce que c'est ça, votre passe. Non seulement c'est le bon mot au bon moment, mais également être sur la même longueur d'onde. Ça peut aller loin, cette affaire-là. 5 000 euros. Est-ce que vous décidez, à ce moment du jeu, de partir avec, d'utiliser le joker pour voir les 5 premiers mots de la prochaine liste qui en contient 6. Oui. Ou alors, de jouer 10 000 sans le joker et de réserver le joker pour après, s'il y a un après. Non ? Non, je crois que je vais me dégonfler, je vais m'arrêter là. Ah non, c'est vrai. Attendez. On peut prendre le joker et après s'arrêter. Attendez, ce que vous pouvez faire, c'est regarder le joker, qui va vous montrer les 5 mots sur 6, et après vous me direz si vous partez ou pas. Parce que là, dès l'instant, ça ne vous engage à rien. Ça engage à rien. Bon, d'accord, non, je vais faire ça. Attendez, Sandrine, ça ne vous engage à rien. Oui, je comprends, d'accord. Joker, demandez. Vous avez vu les mots? J'ai vu les mots et je vais le tenter. Ma chère Sandrine, vous êtes prête? Oui. Voici 1 minute et 30 secondes. Allez.
Bâton. Pèlerin. Vampire. Croix. Tuer. Oh là là. Bâton. Bâton, vampire, tuer. Crucifix. Sanglier. Chasse. Bébé. N'importe quoi, dire notre mot. Petit. Oh là là, oh là là. Marcassin. Oui. Oh. Oh. Pardon. Cigarette. Clope. Poison. Nicotine. Ouais. Portugal. Lisbonne. Regardez. Observez. Sens. Fixé. Simple. Voir. Oui. Intérieurement. Extérieurement. Ça marche. Ça marche. Génial. C'est bravo, Cyril. Oh, le marcassin! Le marcassin, il était loin! Mais il était loin! Vous venez de gagner 10 000 euros. Et ce n'est pas fini. Le règlement m'indique qu'il faut que je vous pose la question et je vais vous la poser. Vous pouvez doubler cette somme et gagner 20 000 euros. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord? Elle continue? Non, mais... Est-ce qu'elle arrête? Non, non, je me suis fait peur, là. Vous arrêtez? J'arrête, oui, merci. Vous venez de gagner la somme de 10 000 euros, Sabrine. Oh, c'est chouette. C'était génial. Merci. Bravo. Venez avec moi. Avec Christelle, avec Johan. Super bon joueur, vraiment une belle équipe. Ah, bravo. Et là, Cyril a bien joué. Je sais qu'il y a ta grand-mère qui est dans la salle. Oui, c'est on la salue. Mamie Simone. Voilà, Mamie Simone. Bienvenue sur les plateaux de France 2. Christelle, actuellement donc en prolongation avec son beau spectacle au Théâtre de la Renaissance. Cyril Ferraud, c'est Slam. 17h30. 17h30 sur France 3. Tous les jours. Et si vous voulez participer à l'émission, France2.fr. Merci Johan. Merci à vous. Très sympa. Merci. Bravo encore à vous, Sandrine. 10 000 euros. Dans quelques instants, une page de pub. Et puis, n'oubliez pas les paroles. Et on continue demain. OK? À demain. 3 000 euros à gagner cette semaine si vous trouvez le bon mot. Les indices sont dresseur, fauve, cirque. Alors d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1 dompteur ou 2 trapéziste? Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou si vous préférez, vous téléphonez au 32 43. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.